artiste, donc j'ai 38 ans, je suis originaire de Vignec, petit village au pied de la station. J'ai effectué une formation agricole, j'ai le niveau BTS, donc je me suis installé en 2007 avec mes cousins grecs. Et ensuite, j'ai toujours été attiré par la montagne parce que moi, je suis né ici, le ski, j'aime beaucoup ce sport, et puis les machines aussi, donc je suis venu à force à venir à faire une demande de conducteur d'engin de damage pour compléter mon activité agricole. Et donc c'est une activité très intéressante parce que c'est 4 mois dans l'année, ça complémente bien les salaires en fait. Et c'est une activité qui me permet à la fois de m'occuper de mes animaux la journée et de damer la nuit. Donc en fait ça m'a arrangé de travailler la nuit justement pour m'occuper de mes animaux la journée. Voilà. Mais moi je m'appelle Céline, j'ai 39 ans, je ne suis pas originaire de la vallée, je suis originaire de la Bigorre, donc de la plaine. J'ai rencontré Baptiste quand on faisait le BTS, donc il y a 18 ans maintenant. Moi je ne suis pas du tout du milieu agricole à la base, j'ai fait un BTS en industrie agroalimentaire. J'ai continué sur un Master 2, donc je suis ingénieure en agro-industrie. Et puis la passion des animaux m'a poussée à monter mon élevage de brebis. Et puis à côté de ça, travailler à la station, j'ai commencé cabinière au téléphérique, hein, ensuite je suis passée conductrice. Et la maintenance m'a attirée beaucoup, donc en fait j'ai eu l'opportunité de repartir à l'école il y a 2 ans pour faire un BTS en maintenance des systèmes. À 36 ans, je suis repartie à l'école et depuis j'occupe le poste d'assistante technique à la station. Donc je suis assistante du responsable technique maintenance. Et je suis aussi en charge du magasin, de l'approvisionnement. Donc pas du tout originaire de la vallée, pas du tout du milieu du ski. Ça m'a permis quand même de faire de nouvelles études. Et puis le travail dans la vallée, il y en a. Et à la station, il y en a aussi. On peut commencer perchman et finir à mécano. Il y a beaucoup de possibilités au sein de la station, des stations de ski. Il y a toujours besoin de personnel compétent ou non compétent désireux d'apprendre. La station est toujours en recherche de monde et de gens qui ont envie de découvrir les métiers de la montagne.